Déjà tout petit, oui. Vous rêviez de présenter cette émission, non? Ben, où est-ce que vous voulez en venir? Je sais pas, oui. Oui. Eh bien, tout simplement parce que nous en avons la preuve. Ah bon? Regardez. Oui. Maman, je suis rentré! Mais enfin, mais t'étais où? Oh, j'ai passé une journée! Oh là là! Dans une fabrique d'enfants analphabètes dirigée par de grosses feignasses qui prennent 6 mois de vacances par an et qui se collent en grève pour n'importe quoi. L'insécurité, le manque d'effectifs, les feutres Velleda qui sèchent en l'absence de leur capuchon. J'étais. À l'école. Tu me fais le coup tous les soirs. L'école, mais oui, bien sûr, maman. Bonne réponse. Oui, l'école. Bon, tu veux que je t'aide à faire tes devoirs? Ah, les devoirs. Oh oui, les devoirs, très très bien. Alors les devoirs, les thèmes de ce soir. Vous avez le choix et nous avons le choix entre les fables de Bataille et Fontaine, la dérive des incontinents ou la règle du hors-jeu au curling. Bon, tu t'arrêtes maintenant, Julien, hein, parce que là, tu commences à m'agacer. Ah, je rappelle, maman, que vous êtes originaire de Paris, Paname, Ripa, PSG, au Château-M, et que vous jouez ce soir pour ce superbe livre La vie d'un poilu de la Première Guerre mondiale à Demis Roussos. Maman, main sur le poussoir, maman. Main dans ta gueule, oui. Ah, j'en ai marre, là, maintenant. Tu commences à m'énerver. Ma gueule, main dans ma gueule, mais bien sûr, ma gueule. Magnifique chanson de Gilles Thibault et de Philippe Bretonnière, chantée par Johnny. Johnny, on te salue, si tu nous regardes, Johnny. Folle, ce gosse. Ah, apparemment, maman, vous décidez de passer la main. Oh, 4 à la suite. Magnifique, maman. Bravo pour ce 4 à la suite. Et à demain pour un nouveau Question pour un... C'est con. Ça avait été belle, ça là, je m'en souvenais pas. C'est vrai, j'ai peut-être voulu toujours faire ça dans le ventre de ma maman, je sais pas. C'est une belle séquence, ça. Très bonne séquence, j'ai bien aimé.